dans quelques instants. C'est le Barcelon. Allez, c'est parti. Avec le bon départ de Mathieu Trévian, celui de Marc Maurice, la bagarre avec Xavier Briffaut finalement qui avait décroché la deuxième place. Marc Maurice en troisième. Le pilote de la 208, Diaco. Romain Lévesque a pris le tour joker avec Cyril Coué. Allez, nous avons poste Mathieu Trévian. Tour joker. C'est qui a fait un très très bon départ. Tour joker pour la BMW de Coué. Et on voit même de la poussière sur ce circuit qui nous a fait pendant deux jours. Mathieu Trévian. Ouais, les quatre pas de changement de manche. Non. Et Xavier Briffaut, attaqué par Marc Maurice. Briffaut, Maurice, Le Garde V. Ouais. Et Marc Maurice qui est revenu dans le pare-choc de l'ami de Xavier Briffaut. Ah. Et bien Marc, il doit prendre le tour joker maintenant, sinon il est bloqué par Briffaut. Il le sait. C'est sûr de la course, il est dans le point. Et non, il est dans le point. Il est dans le point. Il est dans le point. Allez, trois premiers, on met un boulevard. Pour la grosse bagarre entre les deux. Il reste trois tours, nous sommes à mi-course. Allez, champions qu'ils sont là. Ils ont fait une belle route. Quatrième victoire, si bon vous. Et Marc Maurice n'a pas dit son dernier mot pour la deuxième place. Dernier tour. Et le pilote Iaco. La 308 Iaco dans le pare-choc arrière de la Mini. Et dans quelques instants, on va préparer le drapeau d'Amiens avec sa cinquième victoire de l'année 2017 pour Mathieu Trévian. Trévian, d'abord. Xavier Briffaut et Marc Maurice, troisième. Le podium. Grégory Le Garde V, quatrième. Cinquième, Romuald Delaunay. Sixième, Coué. Et septième. Et Xavier qui fait le spectacle aussi. Oh ben Xavier, il aime ça, c'est la fin de la saison. Et tu sais quoi Jean-Jacques? Je te propose même... Jean-Jacques, si tu m'entends, peut-être d'interviewer même Marc Maurice. On peut avoir...